capitaine, féminin et masculin, et on prend la photo avec le trophée, et on débrouille une poignée de main, et puis après, on se retrouve ce week-end. Vous n'êtes pas loin de pouvoir faire sur ce tournoi-là battre toutes les grosses équipes d'un tournoi majeur. Donc tout le monde regarde ça et vous êtes parti pour être un médaillé potentiel. Donc bon tournoi et puis il faut passer au fameux maillot. Donc on commence. Par un Parisien d'entrée. Il y a plusieurs Parisiens. Donc, bon tournoi à toi. Il y a cet objectif du top 3, il y a cet objectif de la médaille en or qui n'a pas été non plus accompli depuis 2005 à Paris. Donc devant notre public en France, ce serait magnifique, mais là on se dit qu'on a quand même deux cartouches, une à Toulouse, une à Londres, pour finir sur une très bonne note et voilà, parachever cette saison qui est une bonne saison pour nous. Mais à finir de la meilleure des manières. Merci à toi. Merci le master. C'est incroyable, en plus on a eu le soleil avec nous, on a les enfants, c'est une atmosphère électrique et moi j'en garde à chaque fois un excellent souvenir, de très bons ressentis et c'est unique, il n'y a aucun autre stade dans lequel on a autant de gosses qui nous poussent, donc ouais, c'est juste incroyable. Vous avez été génial. Vous avez rigolé? Oui. Vous reviendrez demain? Oui. J'espère, il faut revenir. Normalement on peut. Demain je vous les fais, attention ils sont bons. Ouais, on va avoir besoin de vous. On reste dans le match, on reste sérieux, on gagne ce soir, on est qualifié. Basta, il n'y a rien d'autre à dire. Les ingrédients, on sait, on a tout vu à la vidéo, donc là on monte en puissance encore. On peut encore faire mieux. Il faut tuer le match de suite. Allez, 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 allez. 1, 2, 3, allez, allez. On est une équipe qui travaille dur, on lâche rien, on est une équipe jeune. Et dans les moments comme ça, c'est là où on voit une vraie équipe. Franchement, je suis fier de eux et de ce qu'on a fait aujourd'hui déjà, et on verra demain pour la suite. À Singapour, quand on a vu la poule qui allait tirer, on s'est dit on va avoir fort à faire, on veut faire fort, on l'a prouvé aujourd'hui, après voilà, c'est que c'est des gros matchs, on a gagné des gros matchs, mais c'est que des matchs de poule. On a prouvé qu'on peut aller chercher les grosses équipes, maintenant il faut aller chercher dans le haut du tableau et pour gagner un tournoi.
Nouvelle-Zélande. On n'a pas réussi à les battre cette année. Mais on s'en rapproche très fortement. La dernière confrontation, on est vraiment à deux doigts. Donc non, on a les dents longues et on va tout donner pour essayer d'arracher l'or et la coupe. Le truc qui est le plus frustrant, c'est que on y est totalement dans le match. Et c'est depuis le début de la saison où les matchs un peu comme ça, on a un peu du mal à passer devant. Je pense que justement en phase de poule et en quart, on a montré qu'on pouvait le faire. Et surtout quand on arrive à mener au score à la fin de la première mi-temps, on doit être capable de tuer des matchs comme ça, même contre les grosses équipes comme la Nouvelle-Zélande. Allez, les gars, allez, dur. 1, 2, 3, passe! Biba! 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 Biba!